Sur les 23 listes en lice dans l'Est de la France, 11 partis politiques se présentent dans les 8 circonscriptions nationales. Parmi eux, un petit nouveau, le Parti fédéraliste européen, créé en 2011. À sa tête dans l'Est, Christian Dandelot-Hombourg. À ses côtés, 17 colistiers, dont 13 Alsaciens, qui militent pour une Europe souveraine avec un exécutif fort. Nous invitons donc les électeurs à voter pour le Parti fédéraliste européen parce que nous pensons, contrairement aux eurosceptiques, qui ont quelques raisons d'être eurosceptiques, que l'Europe n'est pas le problème. L'Europe est la solution. Le problème, ce sont nos États nationaux, moribonds, qui ont d'ailleurs été responsables de quelques guerres mondiales, avec ces idéologies nationalistes. Il faut au contraire se serrer les coudes entre Européens, entre personnes qui partagent les mêmes valeurs. Nos valeurs, ce sont d'abord l'état de droit, ce sont les libertés publiques, les droits de la femme, le respect de l'animal. Autre valeur, le développement d'une armée, de douaniers, d'une diplomatie ou encore d'une police européenne. Oui. Mais surtout, une Europe plus forte serait pour le Parti fédéraliste un rempart contre la mondialisation et les lobbies. Une garantie de protection des citoyens et de leurs droits économiques et sociaux. Nous voulons une Europe forte pour avoir une Europe qui protège. Une Europe qui n'est pas 28 diplomaties, mais une seule. On a un système qui a été conçu par des lobbies qui ont répandu cette idéologie et ce dogme du monétarisme, dogme selon lequel les marchés vont s'auto-réguler et apporter la richesse à tout le monde. Eh bien, c'est totalement faux. On aura établi au niveau global la loi de la jungle, loi de la jungle qui est toujours profitable au plus fort, mais seulement au plus fort. Après ce coup d'essai pour les européennes, il vise déjà les élections cantonales et régionales.